Le Maroc, à travers la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, qui est la seule association marocaine membre de la Fédération internationale du diabète, participe cette année au congrès mondial de la Fédération internationale qui se tient à Vancouver du 1er au 4 décembre. Notre participation a consisté premièrement en la présentation des activités de la Ligue durant les deux dernières années. La Ligue marocaine de lutte contre le diabète a participé à l'Assemblée générale de la Fédération internationale du diabète. Au cours de cette Assemblée générale, certaines mesures nouvelles ont été adoptées. Il y a eu l'élection du président élect de la Fédération internationale et l'élection de certains autres membres appartenant aux différentes commissions de la Fédération internationale du diabète. Un point très important lors de cette participation, c'est la participation de trois parlementaires marocains proposés par la Ligue marocaine de lutte contre le diabète pour représenter le Maroc dans le Parlement mondial du diabète. Cette participation des parlementaires marocains a été couronnée de succès. Le docteur Ebrahimi, qui a présenté le travail marocain et les perspectives de lutte contre le diabète dans notre pays, a été élu lors de cette assemblée comme vice-président du Parlement mondial du diabète. Cette participation et cet élément-là nous honore, et ça honore le Maroc vis-à-vis de la Fédération internationale du diabète.